Non, c'est pas fait exprès comme ça. Bonjour à tous. Voici le tas de que je viens d'acheter pour 30 balles, donc ça fait cher le tas de. Mais bon, je fais 30 bornes pour l'avoir. Je vais pas repartir les mains vides. Mais bon, voilà. Performance Power, Canton XM50. 2004, date de 2004, puis la bougie. Par contre, le moteur est propre, la poire est bonne, le carbu est propre, le pot est propre. Il n'y a même pas de traces de carbone. Voilà, jamais vu un pot aussi propre, même dedans, on peut voir dedans. Donc, c'est un moteur qui bouffait que dalle en huile. Voilà, il n'y a rien de spécial en fait. L'huile. Il y en a un, il a connu la vidange, hein, celui-là, comme dit Mika, il a connu l'entretien. Donc ça va, je vais pas la changer pour l'instant. Il y a juste ce petit bruit, mais c'est trois fois rien. Parce que le câble de traction n'est pas relié. Donc du coup, la traction, elle sait pas trop où elle en est. Donc j'ai déjà essayé de remettre le guidon. Le moteur fonctionne, l'accélérateur fonctionne, que la traction, la hauteur. C'est réglé au max, mais bon, pas très grave. Du rouge, c'est quand même meilleur au monde. Et il manque un enjeu d'ailleurs. C'est pas très grave. Après en dessous, prenez ça, hop. Boum. Donc en dessous, ça n'a jamais été lavé. Voilà. Une belle couche de que je vais m'empresser d'enlever. Quoique c'est le carter qui est un peu comme ça. Ouais. Mais bon. Voilà, juste des petits points de rouille sur la lame, pareil. Bon, elle n'a pas été affûtée. Donc c'est une sorte de lame mulch, hein, mulching. Ça va, elle est droite, elle n'est pas tordue. Elle n'a pas l'air d'être tordue. Boîtier de traction, il y a de la merde dedans. Là, le câble a été enlevé à ce niveau-là. Donc en fait, apparemment, il manque l'autre bout. Parce qu'en même temps, je suis en train de regarder. On a un truc pour tendre la courroie ici. Je découvre un peu en même temps. Bien que ça me fait penser à un châssis Best Green. Et Best Green. Ah voilà. Donc le câble fait comme ça. Donc c'est un petit levier qui s'emboîte. Ok, je pourrais bricoler ça. Bon, ce que je vais faire. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, c'est. Ouais. Bon, il a encore sa peinture à peu près ce châssis-là. Ça va. Et pire. Ou je vais même pas la gratter, hein. Je vais mettre de l'essence et je vais tirer dessus. Il faut que je trouve une bougie. J'ai trouvé une bougie Champion RJ19LM. Donc pas toute neuve, ça devrait aller dessus. Bon, il y a des roulements agressés. Hein. Le briquet est fait.
truc qui a pas tourné pendant 4 ans. Ça a pas l'air de tondre, mais ça tombe. C'est bizarre. On va essayer sur la zone là-bas. Ouais, c'est que je suis relié au courant, vu que j'ai pas trop de batterie. What the fuck, hein. Là, Briggs, vous me surprenez, parce que un truc qui a pas tourné pendant 4 ans, avec son essence de merde dedans, ça tourne. Il fait des petits ratés, mais bon. La corde de lanceur. Regardez. Bon, je vais tendre vite fait là. Test.
bien ce con. Je commence à avoir un léger doute sur ce que je pense, c'est des pantoufles. Celui-là, ça fait 4 ans qu'il a pas tourné. Et il a bien démarré hein, pour un truc qui a pas tourné pendant 4 ans. C'est mon premier Quantum. J'ai déjà récupéré le petit Briggs là, 75 sprint. Enfin, 3 chevaux 75, je sais plus. Enfin, moi je me rappelle pas trop. J'ai eu mon premier Intech, mon deuxième Intech, le Intech qui a sur mon. Enfin, l'ex-Intech de truc Diamond qui a sur mon John Deere. Mais jamais de Quantum. Et c'est le premier Quantum. Il y a de la bagnole ce soir. Mais pour un truc de merde, performance power, ça tombe pas trop mal. Ça tombe mieux qu'une Viking. Lui, je lui ferai pas de doigt d'honneur. Non, pas comme sur la vidéo avec la Viking. En plus, à l'arrière, bon, vous avez un réglage centralisé. Voilà. Ouais, enfin. Le châssis, c'est à rediscuter, mais c'est pas un truc qui a dû coûter cher à l'époque. Et franchement, pour un truc qui a pas dû coûter cher, ça remplit bien son office. Hein. Je serais curieux de voir la gueule du filtre à air. Mais l'huile est bien. Performance Power Quantum XM50. And BreakingStratton.com. Corde en bon état, putain. Le lanceur, il fonctionne super bien. Regardez. Si je fais ça, je tire d'une main. Le moteur me vient dans la gueule. Si je fais ça, ça sera mieux. Enfin, je vais retenir avec mon coude, enfin, ma jambe. Ça, faut que je répare. Ça pue, ça. Ça tourne bien. Vachement bien, il tourne vachement bien. Puis il tourne propre hein, parce que je sais pas si vous voyez, je l'ai déjà dit au départ, mais il n'y a pas une goutte. Juste de l'huile qui a coulé là. Comme on peut voir, il date du 12-08-2004. Le moteur fonctionne à merveille. Le câble est encore bon dessus, ça c'est bien. Il est un peu chaud le moteur, mais bon, là il aura tourné. Hein. Il est re-rodé à ma façon. Deux, trois petits gnons. Un petit parasite est débranché, j'ai bien envie de voir. En dessous. Ah bah, c'est auto-nettoyé. Il y a moins de merde que de tel. Ah, quoique. Ouais. Je vais grader ça ce soir, déjà. Puis demain, on va continuer. Là, elle aura droit à son coup de rustre. C'est un peu plus que de la rouille en surface, mais ça va. Bon, ça va, il est pas trop chaud le moteur. Hop.
Je vais jeter dehors comme ça, la merde s'en va. Bon, c'est le pignon qui fait autant de bruit. Ça, je vais pouvoir voir où j'en suis avec ce câble. Actuellement, la vache, ça veut être vissé dans le métal, ça, direct. Ah, celle-là, elle est bien. Moteur ici, comme ça, ouais. Votre l'air de... Bon, j'ai fini de déposer la traction, c'est tout con, on a le truc derrière à démonter là. Donc ça passe au travers, ça a démonté. Du coup la courroie s'en va toute seule. Donc là, on va retester la traction. J'ai déjà testé sur place, ça fonctionne. Vous allez voir. Pour ça, vous avez une petite poulie qui tourne. Vous voyez ? Si j'engage, vous avez les deux roues qui tournent. Vous voyez ça les tourner. Regardez bien. Enfin bref, ça fonctionne. J'ai récupéré cette cache lambeur, déjà, qui pourra aller au bout de la gaine et se visser à cet endroit dans le guidon. Voilà, pour pouvoir être réglable. J'avais le petit câble en fer. Je sais plus ce que j'en ai fait. J'ai enfin retrouvé le câble que j'ai réussi à glisser dans la gaine. Maintenant, je vais remonter la traction arrière, là, dessus. Et après, je vous reprends. Depuis tout à l'heure, il y a eu quelques petits changements. Comme par exemple, j'ai remonté la gaine avec le câble que j'ai retrouvé qui était juste accroché là, bêtement. Et qui maintenant... Alors comment ? J'ai juste deux merci à dire. Merci Honda, merci Honda. Hop, ça, je vais le remettre là. Ça, c'est le câble d'accélérateur de la HRD535, juste l'embout, que j'ai réussi à foutre là, qui tient bien. Et ça, c'est le câble de changement de vitesse, que j'ai mis là comme ça, parce que je n'allais pas gâcher un bon câble pour juste cette petite extension. Du coup, le câble d'accélérateur, je lui ai enlevé un côté. Et le câble de traction, j'ai tiré comme je pouvais du côté, et puis j'ai coupé. De toute façon, ces deux câbles, ils sont carrément morts. Et petit test, le marteau va gêner. Donc ce que je vais faire, c'est bloquer poignée frein moteur à ce niveau. Je vais bloquer poignée frein moteur, comme ça le moteur il peut tourner normalement. Bloquer la manette d'avancement, d'ailleurs je vais mettre ça, ça. Vous êtes sûr que ça tient? Et j'ai enlevé l'antiparasite. Nous allons voir. Je ne triche pas. Enfin, c'est pas, y a rien à tricher. Mais... Voilà, si je soulève. La traction est réparée sur cocotte. Une cocotte va servir de bain. Voilà. C'est pour ça que je voulais m'empresser ce soir de voir si je pouvais bricoler ça. Et j'ai réussi. D'ailleurs, il y a un bon test pour ça. Ça avance, ça recule là. Vous êtes d'accord? Et si je mets la poignée, ça bloque les roues. De toute façon, il faut que je regarde les pignons, ils font... Ils font du bruit. Peut-être ça à revisser. Ça, ça devait servir au panier. Non, ça tient comme ça, ouais. Mais je sais pas si... Non, mon panier frigimère, il ira jamais là-dessus. Ça peut pas rentrer. La Easy, c'est sur les côtés. Il y en a bien un que j'ai en tête qui pourrait peut-être aller dessus. Dans tout ce bordel.
Frigimaire, il va pas dessus. Honda. Il va pas dessus. Ah voilà. Il en restait bien un. Tout petit merdique. Mais. Ouais, lui non plus, il ira jamais dessus. Alors. Whoop. Whoop. Je m'en trouverai un panier. Je m'en trouverai un. Ça, jamais ça ira là-dessus. À moins d'avoir beaucoup fumé. Attends. Non, ça passera jamais sous le défaut. Non. Ça ressort là. Oh, sérieux? Performance Power, 30 kg, 2005. France. J'aime un panier. Moonfield. Oui. Je vais tondre avec demain. On va bien se marier. Je suis le mécanicien fou des fois, moi. Ouais, ça va, ça peut tourner là-dessus. En tout cas, pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus pour d'autres vidéos sur ce tas de merde et les autres machines.